8 conseils pour maintenir les reins en bonne santé. Les reins sont des organes qui se trouvent dans la partie basse du dos. Ils sont responsables de la production d'urine, de l'élimination des résidus toxiques, de la régulation de l'eau dans notre corps, de l'équilibre des minéraux et des acides, et du contrôle de l'hypertension artérielle. Leur fonction est donc fondamentale pour l'organisme. Tout cela peut être altéré quand les reins sont intoxiqués ou présentent des failles dans leur fonctionnement. C'est pour cela qu'il est très important de prendre soin de ces organes et d'adopter un style de vie sain qui puisse leur garantir une bonne santé. Dans cet article, nous allons partager avec vous 8 conseils basiques qui contribuent à la bonne santé et au bon fonctionnement de ces organes importants. La consommation de nourriture rapide, d'aliments raffinés et de sucre, surcharge la tâche des reins et affecte leur fonctionnement puisqu'ils sont responsables de métaboliser les toxines qui s'accumulent dans le corps. Il est très important d'éviter ce type d'aliments et d'adopter un régime sain qui inclut des fruits, des légumes, de céréales et des aliments contenant beaucoup de fibres. Le fait d'avoir un poids sain est également déterminant dans la bonne santé et le bon fonctionnement des reins. Les exercices physiques sont la manière la plus efficace de brûler des graisses, de perdre du poids et de maintenir son organisme en bonne santé. L'idéal est de pratiquer des exercices cardiovasculaires et des exercices de force, au moins 30 minutes par jour. Contrôler ses niveaux de cholestérol. Les personnes qui souffrent d'un taux élevé de cholestérol ont plus de risques de souffrir de dommages et de problèmes rénaux. Le fait de réduire les niveaux de cholestérol peut contribuer à améliorer les cas d'insuffisance rénale, et prévenir les problèmes d'hypertension qui sont fréquents chez les personnes qui souffrent des reins. De nombreux problèmes dans les reins se produisent comme une conséquence de la déshydratation. Il est très important de recevoir une hydratation adaptée car c'est elle qui permet aux reins de fonctionner correctement. Il n'y a pas de quantité d'eau exacte par personne, mais on sait que celles qui pratiquent une activité physique ou qui vivent dans des climats chauds doivent augmenter leur consommation d'eau. Éviter les médicaments et les drogues. L'abus des médicaments en vente libre peut être nocif pour les reins à moyen et long terme. L'excès d'anti-inflammatoires et d'analgésiques provoque des dommages rénaux et d'autres problèmes de santé qui peuvent être irréversibles. C'est pour cela qu'il est recommandé d'en consommer uniquement selon les prescriptions du médecin et en dose minime. Les drogues illicites affectent également les reins et d'autres organes vitaux du corps. Sans aucun doute, c'est une raison de plus pour les éviter. Aujourd'hui, les personnes qui fument sont conscientes qu'elles sont en train de s'intoxiquer et qu'elles ont de gros risques de souffrir de maladies aussi graves que le cancer. Les poumons sont les organes les plus affectés par cette mauvaise habitude, mais ce ne sont pas les seuls. La consommation de la cigarette peut aussi provoquer un cancer du larynx, du pharynx, de la vessie, de l'estomac et des reins. De plus, le risque de souffrir de dommages rénaux et de cancer est plus grand si l'on fume et qu'en plus, on souffre de diabète, d'hypertension ou d'obésité. Évitez la consommation de sel. Le sel est un ingrédient qui est présent dans la plupart des cuisines du monde, pour ne pas dire toutes. Ce condiment, qui s'utilise dans des millions de recettes, est le déclencheur de nombreux problèmes de santé, comme les dommages rénaux et l'insuffisance rénale. Plusieurs recherches ont démontré que les personnes consomment plus du double recommandé par jour et les conséquences sont mises en évidence à moyen ou long terme. Il est très important de réduire sa consommation de sel et d'éviter les aliments qui en contiennent en grande quantité. Au lieu de cela, on peut utiliser d'autres épices saines comme l'origan ou le poivre. Jus pour nettoyer les reins. Les reins accumulent des toxines et des déchets qui, lorsqu'ils ne sont pas éliminés,
peuvent générer de sérieux problèmes pour la santé rénale, comme c'est le cas des calculs ou de l'insuffisance rénale. Un nettoyage peut aider à éliminer toutes ces substances toxiques qui affectent la santé des reins. Pour cela, le jus que nous allons vous présenter peut être d'une grande aide. Ingrédients: une pamplemousse ou pomme l'eau. Comment le préparer? Éplucher les fruits et les découper. Bien les laver puis les introduire dans le robot mixeur. Mixer pendant quelques minutes et boire bien frais.